Bienvenue à tous pour ce culte à destination des paroisses de la dynamique mulhousienne. Six paroisses protestantes luthéro-réformées qui se sont réunies pour travailler ensemble. Mais bienvenue aussi à toute personne souhaitant se ressourcer grâce à la parole de Dieu avec nous. Nous ne sommes plus dans nos temples, mais nous sommes reliés, chacun chez soi, à la parole et aux gestes d'amour donnés par Jésus et transmis dans nos églises. Prenons le temps de développer notre relation à Dieu en se retrouvant tous ensemble par-delà les écrans, tous différents, uniques, mais aussi tous aimés de la même manière de la part de Dieu. Pour nous préparer à ressentir cette présence de Dieu, je vous invite à unir trois parties en nous, notre corps, nos émotions, nos pensées, en prenant un temps de respiration. Là où nous sommes, en prenant une posture un peu plus droite, le corps droit, le menton légèrement rentré, pour aider à détendre notre colonne vertébrale. Et puis nous pouvons fermer les yeux ou les laisser ouverts. Et je vous invite dans cette posture à faire attention au bruit autour de nous, au bruit des oiseaux ici chez moi, au bruit des voitures qui passent encore, et d'être attentif à tous les bruits qui vous environnent, vous, à la maison, ce matin, en nous regardant. Les bruits d'une maisonnée qui bouge peut-être. Une fois attentif à tous ces bruits à l'extérieur, je vous invite à être attentif aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à cette respiration qui peut se calmer, se ralentir, à ces mouvements d'inspiration et d'expiration, plus conscients, plus lents, et dans cet espace un peu plus apaisé. On peut prendre aussi le temps de se relier à notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de se relier aux valeurs de l'Évangile, aux commandements d'amour de Jésus, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, de se relier à toutes les valeurs qui sont partagées peut-être dans votre paroisse, la bienveillance, le partage, l'amour du prochain, et de poser une intention pour notre rencontre de ce matin, pour que ce culte, ce temps de respiration spirituelle, soit pour nous un moment de nous relier à Dieu, un moment où nous ressourcer en lui, et puis d'ouvrir les yeux si nous les avons fermés, d'être dans la gratitude face à ces écrans, à ces réseaux, à cet internet qui nous permet de nous relier. Et puis de partager. Alors normalement on partage avec le sourire, mais je vous invite à sourire et à repenser aussi à toutes les personnes avec qui vous avez déjà partagé un temps de ressources spirituelles au culte, dans un groupe de prière ou ailleurs. Et de vous rappeler toutes ces personnes avec lesquelles vous étiez et avec lesquelles vous avez passé ce temps précieux. Sœurs et frères, notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la joie et la paix, dans son cœur et dans sa vie. Amen. En ce dimanche de rappel de la miséricorde de notre Dieu, nos passages bibliques d'aujourd'hui nous en donnent l'image la plus parlante, celle du bon berger. Et nous louons notre Dieu avec ces mots que l'on retrouve dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit jusqu'au vert pâturage. Il me mène vers les sources. Là, il me désaltère. Il rajeunit mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains rien près de moi. Ton bâton de pasteur est là qui me rassure. Devant moi, au nez de mes détracteurs, tu as préparé un banquet de noces.
Tu me bénis d'une onction de bonheur et ma joie déborde. Oui, la tendresse de Dieu et sa fidélité m'accompagnent chaque jour de ma vie. Sa maison est ma maison pour la durée de mes jours. Amen. À Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Mon Dieu, on me parle de la paix, de la joie à te suivre, mais mon cœur est plein de colère, de peur. Je n'arrive pas toujours à être ce vaillant mouton, suivant son berger avec confiance, sur le pâturage de l'amour. Je reste trop souvent sur le pâturage de l'angoisse, de l'énervement, de l'agacement, du doute. Et ainsi je m'éloigne de la paix que tu donnes et je m'éloigne de ce que je suis à tes yeux, un enfant de Dieu, capable de ressentir ton amour, quelles que soient les circonstances de mon existence. Seigneur, pardonne-moi de reculer face à ton amour, de ne pas me laisser aller avec toi à la confiance. Viens à mon secours. Amen. Jérusalem disait : Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin, aujourd'hui le prophète nous le rappelle dans ce passage du prophète Ésaïe. Notre nom est gravé sur la paume de la main de Dieu.
quelles que soient nos errances, nos fautes, nos chutes, notre nom est gravé sur la paume de la main de Dieu. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons nous-mêmes entre Dieu et nous, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Au-delà de nos peurs, de nos fautes, de notre ténèbre, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Nous sommes aimés de Dieu. Je vous invite à écouter ce chant de reconnaissance à l'agneau de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est Wilfried de Terre Nouvelle. Nous allons chanter ensemble un cantique qui s'appelle « À l'agneau de Dieu ». Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles. Amen. Tout le peuple et toutes les nations d'un seul cœur avec les l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles. Amen. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour qu'elles deviennent toujours pour nous une parole de vie. Dans nos vies parfois durcies par la souffrance et l'injustice, dans nos cœurs labourés par les blessures et les chagrins, Seigneur, que ta parole germe et soit féconde. Dans nos vies encombrées de trop de cailloux lourds à porter, dans nos cœurs parfois troublés par la peur ou les soucis, que ta parole se fraye un chemin et prenne racine. Dans nos vies où trop de voix plus fortes étouffent ta voix, dans nos cœurs parfois fragiles et hésitants, que ta parole se déploie et grandisse. Dans nos vies toujours riches de promesses et de dons,
dans nos cœurs qui ne demandent qu'à aimer et être aimés, que ta parole rayonne et porte fruit pour une moisson de bonheur et de joie. Amen. Nous confessons de nouveau notre foi avec les paroles de Marion Muller-Collard, théologienne protestante et écrivaine. Jésus de Nazareth, tu es mon Christ. Le peu d'huile sainte qui est passée par mes mains, je l'ai versée sur ta tête pour faire de toi mon roi. Celui qui règne sur ma vie, le roi qui domine mes envies. Je conjugue mes désirs à ta volonté, au désir vibrant dont tu ceins l'univers. Je veux être la servante de ton humanité. Si j'ai une part à prendre, donne-la de ta main. Jésus de Nazareth, tu es le maître nom qui me donne à comprendre le nom que tu me donnes. Tu es l'alpha et l'oméga, et dans la vaste geste dont tu balayes le monde, il y a à voir plus loin que l'horizon des humains. Jésus de Nazareth, tu es ma joie, mon frère, et ta main ne se tend que pour me relever. Tu règnes sur des ténèbres que tu as visitées. Tu connais les miennes jusque dans leurs recoins. Tu as jeté la clarté de ton regard sur ces ténèbres, ce regard qui fait lever l'aube de chaque lendemain. Amen. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte,
dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. Lui, qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dont les meurtrissures vous ont guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le confinement a ses contraintes et je ne vais pas vous les énumérer ce matin, mais il a aussi ses vertus, parce qu'il peut nous donner l'occasion de réaliser nos vieux rêves d'enfant. Ce matin, par exemple, j'ai pris ma douche et puis ensuite j'ai revêtu une blouse blanche et je me suis imaginé être devenu un grand médecin. Et comme c'était virtuel, j'ai même pu choisir ma spécialité entre épidémiologie, virologie, infectiologie. Je me suis alors installé sur Facebook et j'ai commenté avec assurance les expériences en cours par différents laboratoires. Autrefois, j'encourageais mon équipe de foot favorite et aujourd'hui, j'encourage des laboratoires de recherche médicale. Allez, Sanofi, vas-y, Roche, mets-leur la pâtée. Novartis, ce sont de petits joueurs, Lilly va tous les massacrer. Raoult, président. Second exemple, parmi nous, beaucoup ont aspiré, lorsqu'ils étaient jeunes, à devenir maître ou maîtresse d'école. Eh bien aujourd'hui, c'est devenu une réalité accessible pour tous ceux qui ont des enfants scolarisés, qu'ils ont l'opportunité d'expérimenter ce si merveilleux et combien difficile métier. Peut-être même qu'après le confinement, ils se souviendront des qualités et des compétences que mettent en œuvre les vrais professeurs des écoles, eux qui continueront à exercer ce métier avec des classes non pas d'un, deux ou trois enfants, mais avec 20, 25 ou 30 par classe. Même les pasteurs peuvent désormais réaliser leur fantasme d'exercer enfin une profession reconnue par tout le monde en devenant YouTuber. Chaque soir, ils vont fébrilement découvrir le nombre de vues accumulées sur leur chaîne YouTube. Troisième possibilité, depuis quelques jours, en particulier en Alsace, nous dit la presse, nous voyons fleurir nombre de stagiaires aspirant à la fonction de policier. Il semblerait même que ce soit la profession qui attire le plus en ce moment. Depuis leurs fenêtres ou sur les réseaux sociaux, voici que des milliers, peut-être même des millions de personnes excellent à enquêter, à repérer et puis à dénoncer ceux qui ne respectent pas les règles du confinement. Il y en a même qui se font policiers en dénonçant les pseudo-policiers qui dénoncent ceux qui ne respectent pas les règles. Et moi-même, je joue aux policiers en dénonçant ceux qui dénoncent, ceux qui dénoncent, ceux qui ne font pas les règles. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez relever mes contradictions en dénonçant le fait que je dénonce ceux qui dénoncent, ceux qui dénoncent, ceux qui ne respectent pas les règles. Et nous pourrions ajouter encore ceux qui dénoncent les abus de la police. Un tel a été verbalisé parce qu'il allait rendre visite à sa grand-mère, tel autre parce qu'il aurait pu transmettre le virus aux oiseaux dans les champs en promenant son chien. Et il y a aussi, bien sûr, ceux qui vont dénoncer les abus de la police. Tout le monde
a donc l'opportunité de trouver une place dans ce nouveau paradigme virtuel. Et il y aurait encore beaucoup d'autres exemples. On pourrait ajouter les millions d'apprentis experts en économie qui débattent des choix des économistes pour sortir de la crise. Les millions d'experts en logistique qui, mieux que quiconque, connaissent la meilleure solution pour approvisionner la population en masques et en tests. Et j'ai découvert une catégorie passionnante. Je les ai appelés les archéocartomanciens. Les archéocartomanciens, ce sont des personnes qui ont un don de divination, de voyance, mais dans le passé. Ce sont les Yves Coppens 2.0, spécialisés dans le terrain de fouille d'Internet, dont ils vont exceller à exhumer les prises de parole de responsables politiques ou de personnalités publiques. Leur objectif aux archéocartomanciens est de dénicher des discours qui seraient datés d'il y a un mois ou alors d'il y a 10 ou 20 ans, dans lesquels ces derniers auraient pu dire « Nous ne risquons pas de connaître une pandémie » ou bien « Nous avons trop de masques, il ne faudrait plus en commander ». Si les archéocartomanciens parviennent à ferrer une telle prise, alors pour eux, ce sera champagne. Et leur graal, c'est lorsqu'ils arrivent à trouver deux prises de parole contradictoires. La contradiction, c'est leur Lucie à eux. Ils pourront alors se délecter de pouvoir les condamner. Comment ? Ils n'avaient pas eu la préscience de ce qui allait arriver ? Quels hypocrites ! Parce que moi, à leur place, moi, je savais, moi, j'aurais su. Ce qui est passionnant avec Internet, c'est que par son caractère infini, on est sûr de toujours pouvoir y trouver quelqu'un qui a eu raison avant les autres, comme Bill Gates, Jacques Attali ou la CIA. Et aussi, on y trouvera toujours, bien sûr, sans trop chercher, quelqu'un qui a pu se tromper. Les archéocartomanciens vivent reclus, avec comme seule fenêtre ouverte sur le monde leurs écrans. Ils sont les vigiles scrupuleuses, continuellement aux aguets pour déterrer le moindre cadavre sur la toile. Mais vous le voyez, tout le monde trouve son compte avec le confinement. Les diététiciens partagent des articles qui démontrent que le virus est plus dangereux pour les obèses. Les véganes voient la confirmation que c'est la maltraitance et la consommation animale qui ont tout déclenché. Les souverainistes en profitent pour affirmer la nécessité de fermer nos frontières et de relocaliser nos productions. Les écologistes les rejoignent et s'en réjouissent parce qu'ainsi nous mangerons tous plus local et nous voyagerons moins. Il y a même des opportunités pour les fumeurs qui peuvent maintenant faire de leur prochaine cigarette un objet thérapeutique, un médicament, étude à l'appui qui pose l'hypothèse que peut-être la nicotine pourrait protéger du virus. Et les joueurs de jeux vidéo ne sont pas oubliés non plus. Un collègue pasteur à Ittenheim, qui est un grand joueur de jeux vidéo devant l'éternel, me faisait ainsi remarquer la semaine passée que le 30 mars dernier, l'OMS, en partenariat avec de grands éditeurs, avait publié la recommandation pour tous de s'adonner aux jeux vidéo pendant le temps de confinement, parce que cela encourageait la distanciation sociale. Avec tout cela, vous vous direz peut-être qu'il y a de quoi y perdre son latin, son sens de la justice aussi, sa raison et peut-être même son âme. En tout cas, cela pourrait finir par nous plomber sérieusement le moral. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer un terrain de jeu plus salutaire qu'Internet pour aller respirer un air un peu moins confiné, aller fouiller un autre terrain. Ce terrain,
que je vous propose d'explorer contient l'histoire du monde et de l'homme mieux que quiconque. Seulement, il n'a aucune prétention ni judiciaire, ni policière, ni diététique, et encore moins divinatoire. Je vous proposerai d'aller fouiller la Bible. Parce que la seule préoccupation de la Bible est de nous libérer de tout ce qui nous alourdit. Et c'est en cela qu'elle pourra sauver notre âme, si encombrée parfois. Oui, ce matin, avec la Bible, je vous proposerai de découvrir comment sauver notre âme, et tout le reste nous sera donné en surcroît. L'extrait sur lequel nous allons nous pencher commence par ces mots. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. J'aimerais m'arrêter sur le mot « exemple » qui est employé pour parler du Christ. Le mot grec est « hypogrammos » ou « hypogrammos ». Au sens figuré, on le traduira par « exemple » et au sens fort et en sens propre, il peut désigner un abécédaire. Le dictionnaire grec-français dit « un hypogramme est une copie écrite qui inclut toutes les lettres de l'alphabet pour apprendre aux débutants à les tracer ». C'est donc un alphabet. Les lettres de l'alphabet sont la base indispensable pour former les mots, avec lesquels nous formerons des phrases qui porteront nos pensées et qui permettront la communication et les relations entre des individus. En Christ, nous est proposé un nouvel alphabet, c'est-à-dire de refonder la structure profonde avec laquelle nous construisons notre pensée et nos relations. En nous mettant à l'école du Christ abécédaire, c'est tout le langage de notre âme qui pourra être renouvelé. Nous pratiquons déjà couramment d'autres langues, la langue de vipère, la langue de bois, la novlangue, le parler vrai, la langue des jésuites, la langue au chat. Chacune de ces langues est fondée sur des alphabets hérités de nos histoires personnelles, c'est-à-dire sur des structures, on pourrait dire psychologiques, qui nous font nous exprimer. Il y a nos rencontres heureuses, nos blessures, nos déceptions, nos lectures, nos attachements politiques et philosophiques, nos influences culturelles ou familiales. Il existe des logiciels qui permettent d'identifier la paternité derrière des discours. On les utilise, par exemple, dans les universités pour identifier les plagiaires. Ou bien des professeurs peuvent les utiliser pour essayer de discerner si leurs étudiants n'auraient par hasard pas fait un copier-coller d'Internet dans leur copie. Un linguiste en a testé un il y a quelque temps sur plusieurs discours de Nicolas Sarkozy alors qu'il était président de la République, et il a pu découvrir avec ce logiciel que derrière les discours, il y avait ce qu'il a appelé trois ADN différents. Trois auteurs distincts. Alors, ce n'était pas une surprise. Nous savons que nos présidents de la République ont des personnes qui les aident à écrire leurs discours. L'un de ces trois auteurs était fort connu. Il s'agissait d'Henri Guénaud. Mais si j'évoque cette expérience, c'est parce qu'elle peut nous montrer que quand nous parlons, souvent d'autres que nous parlent par nous. Parce que nous ne sommes pas des pages blanches, parce que nous sommes sous de multiples influences. Nos discours, même s'ils sont plus communs que ceux d'un président de la République, ont tous une paternité. Nous pourrions alors nous demander, quand je parle,
Qui parle en moi? Qui parle derrière moi? Qui parle par moi? Ce qui me fait parler, c'est ce qu'on pourrait nommer la langue du cœur. Ou plutôt que le cœur, la Bible parlera des entrailles. On pourrait dire aussi les tripes. Nous parlons avec nos tripes, c'est-à-dire avec nos émotions, en fait. L'alphabet que j'utilise pour parler est principalement émotionnel. Et les émotions, nous le savons, ce ne sont pas seulement la tendresse ou l'amour, mais ce sont aussi la peur, la colère, les dépendances, tous nos attachements, toutes nos influences. Eh bien, c'est à notre cœur, à nos tripes, à nos émotions, on pourrait dire à notre âme, que Jésus vient s'adresser pour lui proposer de refonder notre alphabet. Si nos émotions sont un peu notre langue naturelle, notre langue, notre première langue, si lorsque nous parlons et pensons, nous le faisons généralement émotionnellement, à partir de nos influences héritées, cela veut dire aussi qu'en fait, personne n'est vraiment libre, ni dans ses paroles, ni dans ses pensées. Parce que lorsque nous parlons et nous pensons toujours en réaction. Parce que les émotions, ce sont des réactions. C'est manifeste particulièrement lorsque nous sommes exposés à la brutalité ou à l'injustice, nous réagissons alors. Et il en va de même lorsque nous sommes exposés à la gentillesse ou à la tendresse, nous réagissons instinctivement. De différentes manières d'ailleurs. Il peut nous arriver parfois de rejeter de l'amour ou de la tendresse qu'on nous donnerait, parce que nous avons une réaction à un pan de notre histoire qui est sensible émotionnellement. Et même ce que nous nommons parfois rapidement amour est souvent une réaction émotionnelle qui relève d'un attachement. Or, l'attachement est encore une réaction, c'est-à-dire qu'il est l'inverse de la liberté. Et le mot lui-même le dit. L'attachement n'est pas une liberté. Par exemple, lorsque nous disons « aimer notre famille », qu'y a-t-il dans ce ressenti, dans cette émotion, qui relève de notre besoin d'identité, de sécurité, de reproduction, d'imitation ou même d'idéologie ? L'amour que nous pouvons éprouver même pour notre conjoint, n'est pas exempt de cette ambiguïté, parce que nos émotions peuvent nous tromper, en particulier lorsqu'elles sont exacerbées par la passion. Lorsque nous disons aimer quelqu'un, qu'aimons-nous vraiment? Est-ce que c'est le fait que l'autre nous ressemble? Est-ce que c'est le fait qu'il soit celui qui viendrait nous guérir de notre sentiment de solitude? Est-ce que c'est sa ressemblance ou sa dissemblance avec nos parents, avec d'anciens conjoints? Est-ce que c'est le miroir positif ou négatif qu'il nous renvoie? Lorsque les émotions nous gouvernent, est-ce que c'est vraiment l'autre que nous aimons ou est-ce que c'est ce qu'il fait résonner et réagir en nous? Eh bien, Jésus va interroger cela. Jésus va interroger l'amour émotion, l'amour attachement, dans une formule que nous connaissons bien et qui n'a pas fini de nous étonner et de susciter notre résistance. Il dira, c'est en Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que si vous saluez seulement vos frères, c'est-à-dire ceux qui vous ressemblent, que faites-vous d'extraordinaire ? »
Et puis Jésus dira encore cette phrase un peu indépassable. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Par cette parole, qui résiste infiniment à notre compréhension, Jésus tranche net le lien entre émotion, je suis blessé, et réaction, je vais blesser à mon tour. Il nous dit qu'à sa suite, nous pouvons, nous aussi, conquérir la liberté de ne plus être les prisonniers de nos émotions. Alors vous trouverez peut-être cela inhumain, de réprimer nos émotions. Nous nous disons souvent, si je le ressens, c'est que c'est moi, c'est que c'est vrai, c'est que c'est juste. Mes émotions m'appartiennent, elles sont miennes, elles me constituent. Mais il ne s'agit pas de les interdire, de devenir a-émotionnel. Il ne s'agit pas de les nier ou de les refouler. Il s'agit de les convertir, de les désarmer en fait. Il s'agit de prendre conscience de qui parle en moi lorsque je suis sujet ou objet d'une émotion. Quel est l'alphabet qui me contrôle ? Car une des caractéristiques de ce qui fait de nous des humains, c'est que nous ne sommes pas que des êtres d'émotion. Nous sommes aussi des êtres de raison. Nous ne sommes pas que des êtres de nature, mais aussi de culture. Nous ne sommes pas constitués que de matérialité mécanique, mais aussi de foi et d'espérance, de spiritualité, qui nous ouvre à un au-delà du visible et du tangible. Par la foi, nous reconnaissons que ce qui nous constitue ne vient pas que de nous-mêmes. Nous ne sommes pas notre propre source. Ce qui fait de nous des personnes, ce n'est pas ce que nous forgeons nous-mêmes, ce ne sont pas les références culturelles héritées ou choisies, ni toutes les influences subies. Ce qui fait de nous des humains, en tout cas pour nous qui nous disons croyants, notre source, notre alphabet, vient de plus loin, vient de plus profond, vient de Dieu. Au cours de son procès, manifestement truqué, devant le Sanhédrin et devant Caïphe, lesquels utilisaient l'alphabet de l'utilité politique, lorsqu'il disait « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas », Jésus choisira de se taire, de ne pas réagir et de s'en remettre à celui qui juge justement, disait-il, disait la première lettre de Pierre. Sur la croix, l'un des larrons dira à Jésus, « N'es-tu pas le Christ ? Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous » Luc précise qu'en disant cela, le larron blasphémait. C'est-à-dire que ce qu'il disait allait à l'encontre de l'alphabet divin. Il parlait, lui, la langue de l'auto-salvation. « Sauve-toi toi-même ». Or, un des fondements de l'alphabet divin est que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La source de notre salut n'est pas en nous. Un théologien, Flemming Flyner Jensen, qui a consacré une série au thème du salut dans le journal Réforme il y a quelques années, écrivait « Nul n'est plus fort que lui-même ». Nous pouvons donc entendre que le salut n'est jamais un dû, il n'est jamais une performance, il n'est jamais une compétence. Le salut est un don, on pourrait même dire un abandon. Et le nouvel alphabet
inaugurée à Pâques, nous promet la libération de nous-mêmes, des attachements qui brouillent notre langage, de toutes les servitudes liées à l'exigence de performance et de réussite que souvent nous nous imposons à nous-mêmes jusqu'à en être écrasés parce que nous aurions tant de choses à prouver aux autres, tant de choses à justifier devant les autres et devant nous-mêmes. Pâques est la promesse de la libération du règne de nos émotions sur nous. À la formule anarchiste, ni Dieu ni maître, qui remet la gouvernance de nos vies à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos émotions, qui sont bien souvent de très mauvais maîtres, très peu bienveillants, je préfère pour ma part avoir Dieu comme seul maître, parce qu'il me libérera de tous les autres maîtres. Dieu comme seul maître, si je peux assumer cette formule, c'est parce que il y a une manière pour Dieu d'exercer cette maîtrise ou cette seigneurie. C'est ce nouvel alphabet qu'il nous propose et que lui-même pratique. Ce nouvel alphabet a un nom. C'est un mot qui est devenu un peu inusité, qui sent bon la poussière de nos vieilles Bibles dans lesquelles on l'utilisait autrefois. Ce mot, c'est la longanimité. Il est très simple, en fait. La longanimité, on peut la définir par une toute courte phrase qui est dans l'épître de Pierre. Elle la résume. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. C'est cela, la longanimité. Le dictionnaire la définit comme la patience avec laquelle on endure des insultes, des fautes qu'on pourrait punir. La longanimité est donc le fait de retenir nos réactions à nos émotions lorsque nous subissons une brutalité, une insatisfaction, lorsque nous sommes, par exemple, insultés. Et nous connaissons une définition de Dieu dans le livre de l'Exode qui nous le présente comme un modèle de longanimité. Cela fait partie de son ADN. C'est en Exode 34, le Seigneur est un Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, c'est cela la longanimité, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et il y a une promesse longanime qu'a fait Dieu à Noé après le déluge et qu'il fonde sa manière d'être devant nous, avec nous. C'est dans le livre de la Genèse, l'Éternel nous est-il dit, dites en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu dit donc, je ne maudirai plus le sol, bien que l'homme, le cœur de l'homme soit disposé au mal. Bien qu'il pourrait mériter ma colère, je retiens désormais ma colère. Cette promesse devrait mettre un terme à tous nos questionnements collapsologiques. Ce n'est pas la fin du monde, ce ne sera pas la fin du monde. Et aussi à toutes les questions quant à la responsabilité de Dieu éventuelle dans nos malheurs. Non, ce n'est pas Dieu qui les provoque, parce que Dieu n'a aucun compte à régler avec nous. Parce que Dieu s'est engagé au sortir de l'arche à prendre l'homme tel qu'il est. Il a renoncé à faire peser sur l'homme un idéalisme inaccessible. Il s'est résolu à accepter la réalité des pulsions humaines. Il a accepté dans son cœur d'aimer un monde imparfait, notre monde qui est fait d'ombre comme de lumière. Selon la formule du théologien Paul Tillich, Dieu est celui qui est capable d'accepter l'inacceptable. De Noël jusqu'à Pâques, de la poussière de l'étable au sang de la croix et jusqu'au silence lugubre d'un tombeau,
Dieu n'a pas dédaigné se mélanger au lieu où vivent les hommes, même les plus invivables. Et puis, peut-être, pour encore mieux appréhender cette notion de longanimité, il y a un personnage contraste qui fonctionne tout à l'envers de cette longanimité. Ce personnage, c'est le prophète Jonas. La Bible nous raconte que le jour où Dieu choisit de pardonner à la ville de Ninive, de revenir sur sa colère, Jonas se fâcha. Vous trouverez cela en Jonas chapitre 4. Il se fâcha et il pria à l'Éternel ainsi, « Ah, Éternel, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, parce que je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, qui est lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Je savais, dit ici Jonas, il reprend donc la formule du livre de l'Exode, « Je savais, Dieu, que tu es un Dieu longanime, et c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais fuir. C'est ce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas de voir ce Dieu qui retiendrait sa colère et qui refuserait de punir Ninive, nous dit Jonas. Alors nous l'aimons bien Jonas pour cela, parce qu'il nous ressemble tellement, débordé par ses émotions qu'il n'arrive pas à maîtriser. Le pape Benoît XVI, dans sa messe inaugurale en 2005, disait « Le monde est racheté par la patience de Dieu et il est détruit par l'impatience des hommes. » Et Jésus, lui aussi, nous pouvons le prendre comme un modèle, comme un exemple, comme un alphabet de la longanimité, parce qu'il la vivra jusque dans sa chair. Lorsqu'il passera de « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », ses émotions, ses peurs, ses déceptions seront converties en un ressenti apaisé. Nous résistons souvent à cette idée et nous aimons citer à contrario le moment où Jésus s'est mis en colère envers les marchands du temple. Cette image nous plaît bien parce que cela peut justifier nos propres colères. Mais je crois qu'il faut prendre l'ensemble du processus. Ce que nous disent les textes et le parcours de Jésus, c'est qu'il va passer progressivement à cette longanimité. C'est un chemin. Il y aura le temps de la colère. Il y aura ensuite pour Jésus le temps du silence devant Caïphe. Et puis il y aura le temps de l'achèvement, de l'acceptation et du pardon sur la croix. C'est le même processus que connut Dieu au sortir de l'arche ou face à Ninive. La longanimité, on pourrait le constater encore, est une sœur des principes de la non-violence active, de la résistance par la faiblesse face à la force, de la puissance de la non-puissance, qui ont été abondamment traités par les penseurs du pacifisme. Mais ce qu'il faut remarquer, ou ce sur quoi il faut insister, c'est que la longanimité de Jésus n'est pas qu'une non-violence ou une non-réaction en parole et en acte. Ce qui est important, c'est sur quoi elle se fonde. C'est une non-violence d'abord du cœur et de l'intime. C'est une conversion du plus sensible et du plus intime de notre être. Ce que nous appelons le nouvel alphabet. Nous l'avions vu poindre dès les premières prises de parole publiques radicales de Jésus dans le sermon sur la montagne. J'en citerai encore une. Jésus dit, « Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. » Celui qui dit à son frère ou à sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Nous retrouvons ici Jésus qui nous invite, comme
nous disait l'épître de Pierre, insulté, il ne rendait pas l'insulte. C'est ce qui nous pose la question dans les exemples dont j'ai parlé en introduction de cette prédication. Lorsque nous assénons des jugements à ceux qui transgressent la distanciation sociale, les gestes barrières, lorsque nous dénonçons la supposée inefficacité des pouvoirs publics, lorsque nous mettons en exergue de vieilles prises de parole, lorsque nous furetons après les contradictions chez les autres, nous nous comportons comme des loups affamés, guettant les failles, les fautes, les fragilités chez les autres. Nous faisons peser sur le monde une exigence inatteignable de perfection, de sanctification, qui finira par le rendre étouffant, si nous n'y prenons garde. Nous mettons en scène un monde où nous devenons tous les comptables de tous nos actes et de toutes nos paroles passées, présentes et à venir. Et ce faisant, nous nous refusons, à nous, comme aux autres, le droit à l'oubli. Nous nous refusons le droit à l'erreur. Nous nous refusons le droit d'avoir des contradictions. Nous nous refusons le droit à l'imperfection. Et finalement, nous nous refusons le droit au pardon. Est-ce que nous voulons d'un tel monde ? Vivre sous le regard de millions d'yeux qui, tels des caméras de surveillance, scruteraient la moindre de nos paroles pour nous verbaliser moralement ? Jésus avait pressenti ce risque totalitaire lorsqu'il disait « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Personne ne sera sauvé par l'application de la loi. Personne ne sera sauvé par sa perfection, même pas un peu, et surtout pas nous-mêmes. En jouant à nous ériger en juges ou en policiers, nous finissons par nous perdre et surtout par nous rendre bien malheureux. Parce qu'il n'y a pas de joie à juger les autres, ou alors une joie qui serait malsaine, qui finirait par nous ronger de l'intérieur. Le Dieu de Pâques est celui qui remet les fautes, qui remet les compteurs à zéro, qui est capable d'oubli. Il est, nous dit Pierre, celui qui juge justement. Alors que le petit Jonas qui est en nous trouvera parfois cette justice trop injuste, sera souvent bien dépité d'imaginer ou de voir un Dieu ou d'accepter un Dieu qui renoncerait à la colère et à la condamnation. L'enjeu de Pâques, de la mort acceptée sur la croix, sans que n'interviennent des légions d'anges envoyés par Dieu pour sauver Jésus, est de délégitimer le mal en extirpant les racines de nos colères. Lorsqu'il nous est dit que Jésus porte sur lui le péché, cela veut dire que ce faisant, il l'expulse hors d'atteinte de l'humanité. Il l'expulse de l'intérieur de nous-mêmes. En ne répondant pas aux insultes par des insultes, en ne répondant pas à une violence subie par une violence commise, en refusant d'employer les mêmes armes que ses adversaires, de les imiter, de devenir eux, en refusant de reproduire leur exemple, de parler avec leur alphabet, Jésus épuise la légitimité du mal et de la violence, et même celle qui habite nos pensées. Il nous dit « Tu peux vivre autrement que soumis au mal, que réagissant au mal par le mal, qu'en étant le prisonnier mental du mal que tu as pu subir, de celui que tu vois autour de toi et que tu ne supportes pas. » Nous pourrions dire que Jésus établit un cordon sanitaire autour de la violence
il l'étouffe en la confinant pour que la violence reçue ne se mue plus en violence rendue, pour que ce virus, en gardant un peu les images qui sont tellement courantes actuellement, pour que ce virus de la violence ne puisse plus sortir de nous, faire contagion autour de nous. Nous pouvons, nous aussi, cesser de ne voir que ce qui va mal. Nous pouvons, nous aussi, accepter que tout ne soit pas parfait, pas encore parfait. Nous pouvons apprendre à patienter et à espérer, sans user du langage de la condamnation. Si nous nous mettons à l'école du Christ, pour apprendre à écrire avec l'alphabet longanime, alors la contagion du mal, des colères, des déceptions, des frustrations pourra se tarir en nous. L'alphabet Jésus agit comme un vaccin qui nous immunisera contre nos colères et nos frustrations, contre nos impatiences. Puis pour finir, j'aimerais vous offrir deux preuves que nous allons sauver notre âme. Je vous promettais dans le titre de cette vidéo que nous sauverions notre âme aujourd'hui. Oui, j'ai deux preuves de cela. Ces deux preuves, ce sont les preuves de l'amour de Dieu pour nous qui nous est donné à chacun. La première preuve, c'est que nous pouvons nous souvenir toujours que l'histoire du salut dans laquelle Dieu nous invite à entrer, à laquelle il nous invite à participer, de Noé, en passant par Ninive, par la croix, jusqu'à un tombeau vidé, est l'histoire d'un Dieu qui partage la vie de l'homme tel qu'il est, tel que je suis, comme le dit la chanson. Dieu n'est pas idéaliste. Il n'est pas un parent qui aurait des exigences ou des rêves inaccessibles pour ses enfants. Il se contente de les accompagner, de les assurer de son amour, pour qu'à leur tour, ils puissent parler avec l'alphabet de l'amour sans condition, sans jugement. Et la seconde preuve est pourquoi pouvons-nous faire confiance à Jésus pour avoir l'assurance que notre âme est sauvée? C'est en nous souvenant que Jésus n'a pas été seulement un sage parmi d'autres qui aurait dit qu'il aurait eu de belles et de profondes pensées, de belles et de profondes paroles. Mais ce qu'il a dit, il l'a vécu dans sa chair, par l'histoire de sa vie, jusqu'à la donner, sans rien retenir. Ainsi, le fruit de l'amour donné par le Christ, donné à nous, est le don d'une vie vraiment libérée. Une vie libérée des colères, une vie libérée des comptes à régler, une vie libérée des exigences inaccessibles. Ce qui nous est donné, c'est un cœur en paix. Et c'est cela, être sauvé. Thank you.
Nous prions les uns pour les autres et pour notre monde. Dieu des princes, Dieu des infirmières, ce virus du Covid est un grand compensateur. Il a humilié nos dirigeants et exalté vos serviteurs. Alors qu'un premier ministre se rétablit parce que les soignants ont continué sans cesse, notons cette façon anormale d'être. Cette bonne appréciation des travailleurs de l'assainissement, des hôtesses de caisse, des éducateurs et des professeurs, ceux sur le terrain et sur la ligne de front, ceux qui emballent les aliments et livrent les médicaments. Et souvenons-nous que ce que nous disons anormal est normal. Et donc qu'on ne reviendra pas à ce qu'il était avant. Dieu du grain déchu, Dieu des fils de la lumière, c'est dans ton être brisé que tu as été élevé. C'est en libérant des espaces dans nos vies pour les autres que nous portons votre vérité durable. Alors que nous avançons depuis des semaines comme une communauté dispersée, permet que notre abandon de nous-mêmes, notre amour désintéressé pour les autres, diffuse largement la grande bonne nouvelle que même dans la mort, il y a une nouvelle vie glorieuse, que les ténèbres ne la surmonteront pas. Dieu des foules et Dieu des couronnes, dans ton humilité, Seigneur, sur le dos d'un âne, au début d'une semaine de grande douleur, tu nous as montré une détermination à nous sauver, non pas avec une force écrasante, mais avec un don de soi, un amour révolutionnaire. Puissions-nous voir dans ta vie, dans ta mort, dans notre résurrection, le chemin pour affronter les ennemis à l'intérieur. Puissions-nous surmonter nos peurs, mettre de côté nos désirs égoïstes. Puissions-nous tous arrêter notre tendance à blâmer et lutter d'abord pour les autres. Seigneur, tu nous protèges de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors sauve-nous aussi de nous-mêmes. Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin du secours de notre prière. Nous te remettons notre impuissance devant les injustices du monde. Et en communion tous les uns avec les autres, nous pouvons dire les paroles que nous a enseignées Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, que la bénédiction de Dieu emplisse ton cœur de paix, cette paix à laquelle tu aspires, tant tu te sens souvent intérieurement déchiré. Puissent les multiples besoins et forces qui te déchirent sceller un pacte, et tu seras alors en paix avec toi-même. Que la bénédiction divine répande aussi la paix autour de toi. Que Dieu emplisse les cœurs des êtres autour de toi et qu'il les pacifie lui-même. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde pour cette nouvelle semaine. Amen.